bouge pas, connard! Oh non, oh merde! J'ai trouvé plutôt pas mal, là. Tant que dalle, oui. T'as un flingue entre les mains. Un truc qui te donne le pouvoir, le power. T'es une brute, une vraie bête. Schwarzenegger. Alors mets-y le ton. Le ton, mon cul, ouais. Quoi? Quoi? T'as dit quoi, là? Ah, ça va, il a rien dit, là. Attends, t'es gentil, c'est pas à toi que je parle, ok? C'est un guerrier est aussi nécessaire aux imbéciles que la métaphysique aux esprits fragiles. Quoi? Bon, tu veux qu'il y arrive, là? Tu le stresses depuis tout à l'heure. Je le stresse, moi? Ouais, tu le stresses. Je te stresse, moi? Non. Enfin, oui, un petit peu, quoi. Ah, putain. Explique-moi un truc. Il est là pour quoi, lui? Bah, pour tenir le revolver, non? Bien. Alors, pourquoi on a affaire à une truffe? Et d'abord, qu'est-ce que tu fais avec ce masque, toi, hein? Bah, dans la boutique, il y avait le choix entre celui de Monsieur Chirac et celui-là, alors j'ai pris celui-là, quoi. Ok. Ok, on arrête tout. Oh, il est pas content, là. Oh putain, je le crois pas. Il faut jamais gifler un sourd. Il perd la moitié du plaisir. Il sent la gifle, mais il n'entend pas. Quoi? Rien, monsieur. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme un menon. On s'effonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on est fin bourré, on se tire débordé sur la 42e. On rigole et on danse comme à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la 50e. Peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, y'a les chiens dans les bars. Quand arrivent les nanas, quand on est qu'au complet, on décerne les Oscars. C'est peut-être pas les vrais de vrais, les nanas de Broadway. C'est ça qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, on dort sur les trottoirs. Quand on nous sort de là, c'est à coups de balai, à grands coups d'arrosoir. Et on ne sait plus à midi si l'on est à Clichy ou en Californie. Maintenant, faut pousser. Moi, je suis malade. Me gonfle pas, surtout, me gonfle pas. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Elle est pas étanche, elle est pas étanche. Il existe pas ton mec. Si, 15 rue Montmorency, c'est pourtant clair, non? Attends, t'es gentil, si on fait ça, c'est pour toi. Alors, me gonfle pas, surtout, me gonfle pas. Parce que t'es négatif, toi. Oh putain, néga quoi? Négatif, ouais. Moi, je suis négatif? Je suis négatif, moi? Là, je sais pas trop. Ok. Ok, vas-y, dis-moi un truc bien énervant. Vas-y, je te dis d'où je suis. Vas-y. T'as autant de prestance qu'une moule. Zen, tout va bien. T'es une toute petite cuquette. Positif. Une minuscule, mais alors une ridicule petite bite. Ok, c'est bon. Hein? Où qu'elle est? Où qu'elle est, cuquette à Michael? Elle est partie? C'est bon, je te dis, c'est bon. Et y a un flic là-bas, on a qu'à lui demander le chemin. Attends, t'es con quoi? Mais il est con quoi? Tant qu'il est, pique-lui son flingue, ça nous en fera deux. Non. Hein? Quoi? Bah maintenant que t'en parles, j'en ai pas trouvé. J'ai cherché partout, mais rien. Oh putain, putain, putain! Ah! J'ai dit une connerie là. Ça va passer. Bougez pas. Comme petit loué là, tout va. Bonjour monsieur. Monsieur? Qu'est-ce qu'il fout là? Il va pas le faire ce con. Ça va? La vie est belle? Petit loué revient, merde.
Bon, maintenant circuler. Ça vous dérange pas qu'on le mette dans le coffre? Comme ça, quand on aura fini, on pourra lui rendre son flingue. Mortel, non? C'est ici, un Mofine? Oui, absolument. Il est là, Michel Perron? C'est pourquoi? Bah, vas-y, toi! Oh, dis pas connard! Attends, pourquoi tu lui dis connard, là? Mais tout à l'heure, tu m'as dit... Mais quoi, tout à l'heure? Y'a plus que tout à l'heure. C'est une nana, tu lui dis pas connard, tu lui dis juste connasse! Connasse, tu adaptes! T'adaptes... pas trop, quand même. Bouge pas, connasse! Connasse, bouge pas! Mortel, non? Bon, bah, c'est bon, vas-y, continue. Il est où, ton buzz? Oh, pas trop, c'est pas trop. Faut savoir, moi, on me dit d'adapter, alors j'adapte. Non, c'est un peu ringue. Comment ça, c'est ringue? Qui dit que c'est ringue? C'est pas moi, c'est lui, hein. Quoi? Bon, il est où, ton ringue, patron? Là, qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous inquiétez pas, on va pas vous tuer. Depuis tout à l'heure, j'essaie de lui dire qu'il me fait mal à l'oreille. Mais t'es con ou quoi? Pourquoi tu lui fais mal à l'oreille, toi? Avant, j'avais les oreilles décollées. Alors, quand on me les redécolle, c'est atroce. Je vous ai fait mal, madame? Ça m'a coûté une fortune. Je suis sûre qu'elle est toute décollée, là. Mais non, elle est très bien, votre oreille. Vous dites ça pour me faire plaisir? Non, je vous promets. Bon, vous faites quoi, là? Ah ouais, c'est vrai. Si vous gérez la secrétaire. Viens là par les oreilles, merde! Waouh! Bouge pas, connard! C'est un métier. Attends, non, mais c'est incroyable. Ta gueule! Mais vous croyez où, là? Ta gueule! Quoi? Ta gueule! Très bien, très bien. Je me tais, mais on essaye de rester calme. On est d'accord? Bien calme. Toi, hein? Mais non, je panique pas. M.O. Film, 15 rue Montmorency. Excusez-moi, les toilettes y sont où, s'il vous plaît? Merci. Oui, un revolver. C'est des malades, inspecteur. Ils m'ont raccroché au nez. Connard! Faut que je fasse pipi, moi. L'émotion, ça me donne toujours envie. Tu me sers un petit ballon? Non, deux. Ou un pitié, on fait péter la bouteille. Dis, j'ai pas l'oreille un peu décollée, là? Bien, maintenant, on fait quoi? Faut l'attacher. D'accord. La gosse? Mais non! Quoique. Non, je déconne. Lui, skip la corde. Je l'ai pas, moi. Moi non plus, hein. Oh putain, je ne crois pas. C'est ta prise d'attache, ok? Une corde, c'est évident pour... Ok. After a while. You're gonna be so sorry, baby. L'important, c'est pas le poisson que tu pêches, c'est celui que tu rêves de pêcher. C'est con, y a pas d'endroit pour pisser ici. Yann. Quoi? Regarde. C'est à moi? On est à New York, Yann. Je suis bien ici, moi. J'oublie. Comment tu peux oublier dans toute cette merde? Appel à toutes les voitures, appel ah, à toutes les voitures. Les affaires reprennent. Réponds pas. Pourquoi? À cette heure, c'est des emmerdes. Réponds pas. Désolée, mais entre pêche et emmerde, je suis pas très pêche comme fille. Un jour, je pêcherai à New York. After a while. You're gonna be so sorry, baby. After a while. Bon, ok, on a bien ri. C'était parfait. Le costume ringard, la souhait, tout ça. Ben vraiment, vraiment, j'aurais pas fait mieux. Mais là, je suis désolé. J'étais sur le point de partir avec ma fille. Et vous pouvez dire à Paul que j'ai vraiment pas le temps de jouer. Paul connaît pas. Alors t'es gentil, tu te rassois et tu la fermes. C'est pas une blague, hein? Ah non? Non. Ah non. Non? Non. Alors tu te rassois et tu la fermes. Hé, hey, j'ai ce qu'il faut! Touchez pas ça, non! Vous êtes complètement cinglé. C'était la copie originale, 2 ans de travail, 10 millions de francs pour rien! 10 millions mortels. Mais vous êtes malade, vous! Et c'est Bébel. Eh les mecs, c'est Bébel! Vous connaissez Belmondo? Pardon? Moi aussi, je le connais. Oh,
Boum, boum, badaboum, un coup de latte dans ton flingue, triple saut perdu avant, salto arrière, récupération sans la moquette, sans doublure, normal, bougez pas, j'arrive. Un mortelé, t'en connais d'autres? Vogel, hé, hey, bouge pas, connard. Eh ouais. Hein? T'as vu, c'est toi? Maintenant, tu la fermes. Ah bah, calme-toi, là. Toi, tu ne mêles pas de ça, c'est clair? Pourquoi tu me donnes des ordres? Je te donne pas d'ordre. Si. Si, si, depuis le début, tu me donnes des ordres. Là, je suis pas con, il me donne des ordres, là. On n'est pas à la maison. Ok, d'accord. Je te donne des ordres. Ça va mieux maintenant? Je le crois pas. Ouais. C'est vrai, ça, j'aime pas quand tu me donnes des ordres. After while, after while. After while. On peut faire péter la sirène? Yann? Quoi? Non, laisse tomber. Je ne sais pas ce que vous voulez. D'ailleurs, je me contrefous. Simplement une chose, faites-le vite. Il faut qu'on soit parti d'ici 20 minutes. On a un avion à prendre, hein? Dommage. Mais c'est quoi votre problème, hein? Ah bah voilà, on y arrive. Et moi, je m'assois où? Toi, tu restes debout. C'est con, je me serais bien assis, moi aussi. C'est vrai, j'arrête pas d'être debout depuis ce matin. Jeu de compte, tu connais? Pardon? Ouais, c'est deux comme deux, mais en fait, ils sont trois. C'est drôle, non? C'est rapport au... Mais qu'est-ce que vous me racontez? Je comprends pas. Sept copies, il t'a envoyé. Sept. Non, huit. J'en ai envoyé huit. Elles sont où, d'ailleurs? J'en sais rien, moi. Si vous pensez que je lis tout ce qui arrive ici... Non, 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 j'ai pas le temps, moi. Ouais, t'es quelqu'un de très occupé. Ouais. Un coup, t'es pas là. Un coup, t'es parti. Un coup, t'es en rendez-vous. Un coup, tu déjeunes. Introuvable, pris. Quand on croit que t'es là, hop, tu disparais. Et mortel, c'est Fantomas. C'est top, ça. Ah, c'est top, ça, faut que je note, Fantomas. Attends, qu'est-ce que tu fais, là? Bah, je note, tu vois. C'est con, ce genre de truc, t'oublies, après, tu notes pas, tu te souviens plus. Attends, je le crois pas, t'es en train de noter, là. Il est en train de noter, là. Vas-y, rends-le-moi, arrête, t'es pas drôle, c'est perso, ça. Décoloré, stupide. Ces grosses miches flasques et sa mauvaise haleine. C'est de ma meuf que tu parles, là? Non, je te jure que c'est pas Sophie. Ah ouais, tu crois que je l'ai pas reconnue? Je te jure, Mickaël, je te promets, c'est pas elle. Ça lui ressemble, mais c'est pas elle. Et mortel, ta meuf, c'est un boudin? Ta gueule! Maintenant, ça suffit. Elle est pas si moche que ça, Sophie. Et puis vous, là? Huit envois, pas une réponse. Y a rien de pire que l'indifférence. Expliquez-moi un truc. Si vous allez jouer au loto et que vous perdez, vous vous attaquez le tabac? Le gros lot ne se mesure pas en dollars, mais à l'indice de satisfaction. Tu vas arrêter avec tes citations à deux balles? Quoi? Non, laisse tomber. Eh, qui vole un bœuf, eh ben, il est vachement musclé. Non. Non. Commissaire Aguerre? Ouais. Vous n'avez pas traîné, hein? La devise du commissariat, rapidité, efficacité et surtout bonne humeur. Bon, alors, inspecteur stagiaire Aguerre, ma nièce. À l'amour comme à la guerre, hein? Mais je sais, c'est pas trop drôle. Mais bon, bonne humeur, n'est-ce pas? Bien. Alors? La seule chose qu'on sait, ils sont armés, et parmi les otages, il y a un enfant. Un enfant? Oh, putain. Quoi? Alors, bon. Faites évacuer l'immeuble. C'est fait. Très bien. Alors, bouclez le périmètre. C'est fait. OK. Alors, trouvez-moi un QG. C'est fait. Le café, juste là. La secrétaire vous y attend. Et une ligne directe pour les... C'est fait? C'est fait. Finalement, j'aurais pu rester pêché, moi. Voilà. Vous avez là, juste sur l'épaule. Oui, c'est une défécation de pigeon. C'est une merde. Prête. Yann. Ouais. Pose tout ça. Non. Pose tout ça, nom de Dieu. Je suis obligé d'engager, c'est la famille. Bon, allez, vous appelez comment, vous? Moi? Ouais. Jean-Benoît. Jean-Benoît, faites-moi virer ce camion, là, tout de suite. Faut que je fasse pipi. Le rouge, ça me donne toujours envie. Y a rien à en tirer, il est trop bourré. Mais si je lui mettais la tête sous l'eau, ça réveille. Ou alors des glaçons dans le soutien-gorge. C'est bien, ça.
Parce qu'avec la glace sur les seins, ça a l'air affermi. Alors si ça marche sur les tétons, ça doit marcher sur les neurones. Bon, Diane. Ouais. Viens là. Regarde-moi. Plus près. Encore un petit peu plus près. Est-ce que tu vas arrêter tes conneries, nom de Dieu? Oh, je vais vomir. Mickaël, il y a des flips partout, là. Oh merde, mais comment c'est possible, ça? Mais regarde, là, il y en a partout, je te dis. Et alors, c'est pas ce que tu voulais? Fais chier, vous! Quoi? Vous êtes complètement crétin ou quoi? Pourquoi vous avez laissé partir ma secrétaire? Là, c'est pas moi. Ouais, mais elle me prenait la tête avec son oreille. Et alors? Je suis désolé, j'en pouvais plus. Et alors? Ça fait 3 ans qu'elle m'a pris la tête, et je l'ai pas viré, moi. Qu'est-ce qu'on fait, là, hein? J'en sais rien, on va réfléchir. Putain! Bien. On se pose. Si je sors discrètement avec ma fille, ils ne sauront pas qu'on est des otages. Et je vous garantis que j'irai pas m'en vanter. Vous rigolez, là? Je vous donne ma parole que je ne dirai rien. Et rigole. Je crois qu'on ne s'est pas bien compris. On n'est pas là pour jouer. Moi non plus. Écoute. Si moi et Johanna ne sortons pas tout de suite, il sera trop tard. Trop tard pour quoi? N'approche pas. Attends, t'es gentil? C'est moi le preneur d'otage. Il est gentil, lui. Allô, ici le commissaire à guerre. Et mortel, c'est la police. C'est comme dans... Comme dans quoi? Bien, alors, combien tu veux? D'abord, on se tutoie pas. Ah bien, je pensais qu'une approche un peu plus familière était mieux adaptée à votre cas. Comme tu vois, comme vous voudrez. Alors, comment est-ce que je vous appelle? Monsieur. Monsieur? Ouais, monsieur. Monsieur comment? Monsieur. Moi, c'est monsieur Skip. Il se moque de nous, c'est un anglicisme. Quoi? Quoi? Tu veux que je te lave plus blanc que blanc, moi, salope? Ah non, 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 il n'a pas dit salope. Non, non, non. Pas salope, hein? Non. À la limite, sale pote. Oui, pas salope, sale pote. On vous a dérangé pour rien. On n'a pas besoin de la police. Police, ton cul! Putain, qu'est-ce que vous avez fait, là? Hein? Qu'est-ce que t'as foutu? Moi, j'y suis pour rien. C'est vrai que Skip, c'est un nom délicieux. C'est un nom propre, Skip. Je peux faire quelque chose? Je sens qu'on va être dans la merde. Là, c'est clair, on est dans la merde. Bon, maintenant, faut que vous nous sortiez de ce merdier, hein. Alors, on va faire un petit effort, on va mettre sa petite tête sous le lavabo, puis on va me dire ce qui se passe là-haut, hein. Comment? Mes oreilles. Alors quoi? Je sais pas. Bah tais-toi si tu sais pas. Parle-toi. De quoi? Je pensais pas que ça tournerait comme ça. Hein. Et ton plan infaillible? Je crois que j'ai tout oublié. Moi aussi, hein, ça m'arrive tout le temps d'oublier des trucs. Tiens, l'autre jour, j'emmène mes petits frères à la piscine. Parce que chez nous, c'est comme ça le mercredi. C'est piscine, c'est une sorte de tradition. On s'en fout. P. Michel P. P quoi? Encore un petit coup, c'est ramené. Ah, je vais mourir. Moi, j'aime pas trop ça, la piscine. On chope toujours plein de saloperies. Surtout que je sais que le plus petit, il adore pisser dans le bassin. On s'en fout. Alors je me dis, si lui le fait, les autres, ils doivent pas se gêner, tu vois. Donc je les emmène à la piscine. Mais moi, je porte pas de slip parce que ça me sait. Non? Moi, j'ai un maillot orange, tu sais, ceux qui arrivent là, qui font surfeur. On s'en fout. D'habitude, je l'oublie jamais. Et là, comme ton plan. C'est con, non? Oh, je suis malade. Mais non. Bon, alors, qui est là-haut? Si, je vais vomir. Bon, allez, c'est bon, ça y est, vous êtes plus malade. Spaghetti.
c'est mon scénar, Michael. Ça y est, je l'ai retrouvé là. C'est trop cool. C'est trop cool, y'a plus à flipper là, tout est là. Ça, c'est du papier. Non, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Réflexe, peut-être. Cheese. Piège de cristal. On y est, Bruce. Putain, les cons! Ils ont tiré sur mon scénar! Non, mais est-ce que t'as vu, là? Et alors, on s'en tape. Jeu de... Bon, j'ai réussi à faire parler la Pochtronne. Elle m'a donné le nom d'un des gars là-haut. Perron, Michel, j'en fais quoi? Appelle le central, on sait jamais. Ils sont pas une odeur de vomi, là? C'est rien, c'est des spaghettis. Pardon? On s'en tape. Mais moi, j'ai passé plus d'un an à me bousiller les yeux, à passer des nuits de merde blanches, à boire des centaines de litres de café, à me trouer le bide et... Ah, putain, ça y est, j'ai mal au crâne. Dis-Louis, shut the fucking door. Quoi? Ferme the fucking porte. Classe, non? Dès que le bénet se tourne, on se casse. On s'en tape. Non. Moi, j'ai travaillé la fenêtre ouverte pour attraper l'inspiration et... Qu'est-ce que j'ai chopé? J'ai chopé la crève et... Je peux le prendre. On sait jamais s'il fait froid. Et on s'en tape de mon scénario. Anthony Delon? Hein? Je voulais pas déranger, mais ça fait plus d'une heure que j'attends. J'ai appelé ce matin, on m'a dit d'envoyer une photo. Mais comme j'étais dans le coin, alors j'ai préféré passer. C'est mieux, non? Quoi? Oh, j'adore monsieur votre père. Qui? Oui, j'ai tourné avec monsieur votre père. C'était génial. Il passait dans le couloir de l'hôtel et il me bousculait, il faisait tomber mes affaires. Et il m'aidait à ramasser ma valise. Et j'avais du texte. Je disais, vous pourriez faire attention, mais avec le ton. C'était vraiment génial de tourner avec monsieur votre père. Alors, pour toi aussi, c'est la première fois? Non. J'ai même failli entrer au GIGN. Ah ouais. Hein? C'est bien, ça. Et pourquoi ils t'ont pas pris? T'as pas entendu un bruit, là? Non. Pourquoi ils t'ont pas pris, alors? Les pieds plats. Quoi? Les pieds plats. Ah ouais. Ah, c'est con, ça, les pieds plats. Ouais. Ah, c'est con. Ça vous ennuie pas, j'ai mis le flic dans le coffre. Comme ça, on lui rendra son flingue quand on aura fini. C'est nul. On a un petit problème. Quoi? Le dénommé Perron aurait enlevé la gamine qui se trouve avec eux. Selon la plainte de son ex-femme, le type est un fou furieux. Il prétend que la gamine est sa fille. D'après le central, ce type est dangereux. Bon, ben, cette fois, c'est clair, on est dans la merde. Faut partir, là, parce que sinon, je vais faire discuter. Mais attendez, je suis une super comédienne. Oui, sûrement, mais... Mais je sais tout faire, je peux chanter. Oh. Mortel. Lulu vendait ses toiles, Jaco plongeait dans un bistrot, Dédé goûtait les vins, moi j'étais fort au Havre, et Gégé lavait les carreaux, Pierrot ne faisait rien, on s'était fait les poches pour se payer un vieux taco fleuri sur le capot, qui rêvait de Provence et qui mourut à Fontainebleau. On allumait une cigarette et tout s'allumait, et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. Allumait une cigarette et tout s'allumait, et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. Dis-lui, qu'est-ce que tu fous, fuck. Revenez demain parce que là on est en pleine transaction. Transaction. Mortel.
Monsieur, monsieur. Ouais, je demande de vous voir, ce sera plus simple pour parlementer. Non. 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 Bon, alors, je vous explique. Dans les prises d'otages, je veux dire les vraies prises d'otages, hein, c'est un échange. D'un côté, il y a les méchants, c'est vous, on va dire. Et les gentils, c'est nous. Bon, alors, pour que ça colle entre les deux, il faut faire un peu de concession de part et d'autre. D'accord. Alors, pour commencer, pour vous, ce serait de relâcher l'enfant. Ensuite, vous me demandez ce que vous voulez, et moi, j'essaie d'accéder à votre demande. Non ! I call you back. Vous êtes malade ou quoi ? Sur le tapis, ça marche pas super bien, ce truc-là. Hmm ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais vous êtes malade, je vous jure, vous êtes malade ! Je parle blé. T'as peur ? Ok, on y va. Je sais pas ce que j'ai, je suis ballonné. Un million. C'est bon, un million, non ? Arrêtez, merde. Les branques. À moins de 5 millions ? Tu montes pas un film. 5 millions ? Catherine Deneuve. Ok, 5 millions. Elle a raison. 5. Vous êtes cinglé. J'ai pas tout cet argent. J'ai à peine de quoi payer le loyer d'ici. Je vous jure, j'ai pas d'argent, moi. Catherine, je t'aime. Attends, un producteur qui a pas de blé, il nous prend vraiment pour des clochards. On a un S à 1 million, c'est le truc que je sais jamais, ça. Mets-le, mets-le. Vous croyez que c'est nous qui branquons pour les films ? Quoi ? Jean, ça suffit. Hé, t'as une belle queue. Bon, je vous explique. T'as une chaîne de télé sur ton projet ? Quoi ? Qu'est-ce qu'elle racontait ? Mon film, c'est pas de la télé, hein. C'est du cinéma. Tu captais que dalle ou quoi ? Aujourd'hui, c'est la télé qui finance le cinéma. Oh. Merde, y a pas de long. Bon, t'as un casting ? À quoi ? Je vois. Les acteurs, c'est qui les acteurs ? Des acteurs, hein ? Des acteurs. Ouais, des acteurs, hein. D'accord, mais qui ? Des bons, hein ? Des bons ? Ouais, ils sont bons, ouais. Je vois. Et tes potes, ils sont connus ? C'est-à-dire que... C'est vrai, ça ? D'abord, ils sont connus ? Tu pourrais choper un comique pour ton film. Un quoi ? Ça marche bien, les comiques, en ce moment. La limite, si t'es un présentateur t'éloge, ça peut faire l'affaire. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Bien, récapitulons. Pas de chaîne de télé, pas de casting. Donc ? Pas de film ? Ben voilà. Et l'histoire dans tout ça ? L'histoire ? Tout le monde s'en fout de l'histoire. Vous êtes chocolat, les mecs. C'est bête, hein, bande de clochards. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime. C'est vrai ce qu'a dit la Miguel ? J'en sais rien, moi. C'est toi qui veux faire du cinéma, pas moi. C'est vrai ? Vous voyez que ça rime plus à rien, maintenant. Tu m'avais dit... Quoi ? Qu'est-ce que je t'ai dit, hein ? Don't move, son of a bitch. Miguel, tu m'avais promis. Quoi ? Je t'ai pas aidé, hein ? Hein ? Je t'ai pas aidé ? Fuck. Écoutez, si vous nous relâchez maintenant, je vous jure que je vous aide à monter votre film. Ah ouais, comment si on n'a pas de télé ? Hein ? Alors ça veut dire qu'on fait plus le film, là, c'est ça, hein ? C'est ça ? Mais si, on va le faire. Mais comment ? Comment ? Je te promets qu'on va le faire. Mais t'as entendu ce qu'elle a dit ? Si tu bouges, I shoot you, motherfucker ! Je crois que c'est Chou-Fleur. Monsieur, monsieur ? Oui. Alors, on a fini de jouer. L'immeuble est complètement cerné. Vous n'avez plus qu'à coopérer. D'accord ? Alors, vous relâchez l'enfant et tout se passera au mieux. Non ! Non. Bon, alors, on fait quoi ? On veut une équipe de télévision. Vous déconnez, là ? Il déconne, là. Mais vous déconnez, là. On a des choses à leur demander. Et on se tire comme on est arrivé. Simple, non ? Bon, écoutez, c'est impossible. On veut la télé, merde ! Faites pas ça. Ah. Et on veut PPDA. Pas la marionnette des guignols, non. Le vrai. Mortel, non ? Vous m'avez entendu ? Juste la télé. C'est peut-être des terroristes ou le mec d'une secte. Pour
faut faire gaffe. Il peut foutre le feu à l'immeuble. Et le café avec. Je le sais, je l'ai déjà vu à la télé. Il joue avec nous, là. C'est pas bon. Vous avez des sucettes? Pardon? Je me demande si vous avez des sucettes. Kojak, le feuilleton, vous savez? La nuit va être longue. J'ai toujours rêvé de dire ça. My love will be true. Always and forever. I love just you. Just promise me, darling. Your love in return. Make this fire in my heart. Je ressemble à Anthony Delon, moi. Anthony Delon, c'est une truffe. Ça vous trouve qui, hein, que je sois là, frérot? C'est trop faux. Mortel, je vais passer à la télé. Je vais aller chez Delarue. Mortel, putain, je vais pouvoir entrer gratos chez Ron Disney. Merde. Tu crois qu'il y a de la meuf ici? On va demander ce qu'ils veulent, contacter une équipe télé. Hein? Sérieux? Quoi? On a le choix? Pète cette fenêtre. Ah bon? Ils savent même pas ce qu'ils viennent voir. Ils sont là, ils regardent. Les cons. Essayez Fairvex. Quoi? Votre rhume. Depuis tout à l'heure, je vous vois dégouliner du nez. Vous savez que ça peut être grave. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Vous ne sentez pas comme un étau qui vous compresse le cerveau? Un étau? Ouais. Ouais, c'est ça. Un étau, ouais. Un étau. Ça fait mal, un étau, hein? Très mal. Un étau. Un étau. Ça fait mal. Un étau. Vous avez vu comment transpirer? C'est la fièvre, ou pire encore. Voilà. Vous allez commencer à trembler. Vous tremblez. Tremblez. Oui. Tremblez. Votre peau s'accélère. Bam, 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 bam. Tu vois pas qui t'en vape, là? Vous êtes sûr que c'est moi qui l'endors? Quoi, qu'est-ce que tu racontes, toi? Vous lui faites croire quoi? Que vous allez faire un film? C'est pas du cinéma que vous allez faire. C'est de la prison. Ah ouais? Et pourquoi on ferait de la prison? Attends, attends, laisse-le finir. Finir quoi? Je sais pas si vous aviez du talent, mais là, vous l'avez gâché. On n'a rien gâché. Ou plutôt si. Il a gâché du papier en vous envoyant cette fois son... Miguel, arrête. Arrête quoi? On a demandé la télé. Très bien. Quand elle sera là, on sera tellement célèbre qu'ils oseront jamais nous foutre en taule. La vie, c'est pas Eurodesny. Il a raison. Là, c'est la merde. Ouais? T'étais bien décidé à y aller, non? Si on est là, c'est de ta faute. Alors maintenant, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? C'est vrai, ça. Jusqu'au bout de quoi, hein? Jusqu'au bout, putain! Hé! J'ai été jusqu'au bout des bureaux, c'est vachement grand chez vous, hein? Si tu vas pas fumer jusqu'au bout, si tu vas pas, il reste plus que le filtre.
sais comment on m'appelle, moi, la caserne? Non. Arabica. Et j'ai pas compris. La filtre arabica. Bon, laisse tomber. T'as pas entendu un bruit, là? Non, non, non. Oh, t'as raison, faut que j'arrête de fumer le carton. Ah ouais. Filtre arabica. Ouais, ouais, ouais. Monsieur, monsieur. Monsieur. Mais... tiens, j'ai un con. Bon, la télé va pas tarder, tenez-vous prêts à... Oui, mais appuie sur le bouton, là. J'appuie là, j'appuie. Mais non, Diane, t'appuies pas, regarde. Mais tu vois bien que j'appuie là. Bon, oublie. On aurait dû prendre des portables. Quoi? Tu sais, comme dans X-Files. Diane? Ouais. Non, rien. X-Files. Ok, on fait sortir la mioche. Mais non, faut pas là. Va t'en faire ça. Je dors dans même stand. Mais je t'en ai bien laissé, je vais te voler là. Foutez-moi la paix, espèce de clapporte. C'est qui le commissaire à guerre? C'est moi. Commissaire à guerre, Éléonore Fauchel, j'ai préféré venir. Pardon? Je suis la mère de l'enfant et j'exige que vous sortiez Johan des mains de ce malade qui n'est qu'un irresponsable et qui se prétend être son père et qui n'est qu'une couille molle. Pardon? Pardon? Laissons-la. Bon, combien vont partir? Je veux rien. Si tu t'en vas, je te filerai des places pour aller voir Mickey. Mickey, c'est pour les PD. Non, j'ai réfléchi, c'est trop dangereux. On va envoyer une équipe d'intervention à votre place. Ah ouais? Ouais. Et vous supposez qu'ils vont pas se rendre compte de la petite supercherie? Non, vous nous laissez y aller, puis nous, on fera office de médiateur, voilà. Écoutez, vous pourrez faire toutes les images que vous voudrez une fois qu'on les aura interceptées. Je peux parler, mademoiselle. Michel Perron a perdu la tête, c'est un homme très dangereux. Madame, vous inquiétez pas, on va... Je m'inquiète si je veux, c'est clair? Oula. Ne me prenez pas pour un enfant, c'est clair? Je crois que vous êtes en train de vous tromper, là. Ça va pas, non? Bon, là, c'est perdu du temps comme ça, tiens, tu t'arrêtes. Mais va culper ton vin à cœur. What a difference a day made. 24 little hours. M'empêchez pas de faire mon boulot. Et vous le mien? Il a une arme, il est plus maître de lui-même, ça vous suffit pas, ça? Si vous croyez que ça l'arrête. Bon, j'ai une idée. Si vous mettez un flic avec nous, ça vous rassure? Je peux y aller? Non, c'est hors de question. Pourquoi? C'est hors de question.
C'est bon, ça va aller. C'est fini. Yann, la journaliste. N'y allez pas. Pierre, fais tourner ta caméra. Hé hey. Mais non, c'est mon père. C'est moi qui voulais qu'il m'emmène avec lui. Quoi? Bon, bah voilà, je suis désolé. Je m'excuse. Oui, c'est mon père, là. Vous avez rien compris. Elle, elle est rien. Je vous l'avais dit. T'avais juste à dire au scénar. C'est la télé! T'en faites pas, ça va aller mieux. Hein? Bon, bah qu'est-ce que t'attends pour ouvrir, toi? Attends, pourquoi moi? C'est toi qui as demandé la télé, non? Attends, t'es gentil, on était tous d'accord, non? Hein? Ouais. Bah tu vois. Eh ben vas-y, toi. Ouais, j'y vais. C'est l'équipe télé! Vous êtes sûr? Sûr de quoi? Il a raison, et si c'était pas eux? Parce que t'es négatif. Je suis négatif? Ah ouais, t'es négatif. Moi, je suis négatif? Mais je suis pas négatif. Je fais quoi? Eh ben vas-y, là! Mika, je fais quoi, moi? Et quand je te parle, tu me regardes. Plus la paix, merde. Vous avez besoin d'une arme pour vous affirmer, vous? Quoi? Moi, j'ai besoin d'un gun? Il est où, là? Non. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai le power. Fuck! Si vous le dites. Bon. Parce que c'est comme ça, je vais y aller. Mais d'abord, tu te calmes. Je suis calme. T'es calme, là? Mais ouais, je suis calme. T'es sûr? Mais ouais, je sais quand même quand je suis calme, non? Alors fais pas chier, ok? Je suis calme, ok. 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 Ouais, ok. Ouais, ok. Et toi, tu dis pas un mot, ok? Garçon, ça roule? Pas trop dur? Non, non, on surveille la rue, là. Et le boulevard, là-bas aussi. Ouais, tout ça, là? Et tout ça. Ah ouais. Et puis le périmètre, là. Là aussi, ouais. Vous entendez pas un bruit, là? Là? Non, non, non. Ah, si. Si, si. Si, si, un petit peu. Si, si. Si, si. Ah, ouais, arrêtez le. Peu. Allez, ouvre-moi le coffre. Tout de suite, chef. J'adore qu'on appelle chef. Alors? Attendez, on va faire ça. Jeu de con. Il trouve ça drôle. C'est bon, coupe. C'est vrai, ça, il est où? Désolé, mais entre Pépé Léa, moi, c'était plus trop ça. Faudra faire avec moi. Bien. Qui est Perron? C'est moi. Ça vous ennuierait de sortir du champ, là? Pierre, tu vas poser ta caméra là. C'est ça, grosse truie. Vous êtes avec lui? Ouais. Ouais. Tu les veux les quatre dans le champ ou pas? Connasse. Non, je pense qu'on va éviter là. Approchez le micro. 1, 2, 1, 2. C'est bon? Pierre, c'est bon? Vous n'oubliez pas d'appuyer sur play? Le petit bouton rouge qui est là. Ici, Louisa Dumonchel. Eh oui, nous sommes en ce moment même au cœur de la prise d'otage, où pour la première fois, l'otage est libéré avant toute négociation. Monsieur Perron, c'est bien Perron? Pourquoi avoir fait une chose aussi absurde? Pardon? Quoi? C'était, disons-le, plutôt stupide, non?
Vous le faites exprès? Monsieur Perron, qu'espériez-vous de ce kidnapping? Attendez, c'est quoi ce bordel? Coupe sur lui. Puis fais-le-moi contre-plongée. Hein? Non, non, mais attendez, vous faites quoi, là? Monsieur Perron, avez-vous, oui ou non, martyrisé cet enfant? Et si oui, dans quel but? Mais c'est quoi, ce délire? Pourquoi vous ennuierez vous tard pendant mon interview? Bien, nous en étions à Monsieur non, Perron! Non, mais attendez, c'est pas lui le preneur d'otage. C'est nous! Quoi? Comment ça? C'est nous, les ouais, preneurs d'otage. Hein? Lui, c'est l'otage. Tiens, regardez. Regardez. Hein? Le nion, là. Le nion qu'il a, là. Eh ben, c'est moi qui lui ai fait. Et puis, hein? Ben, dis-lui. Ah, ben, vous voyez bien que c'est ouais, nous, c'est les tueurs. Bien. Coupe, coupe, c'est pas bon, coupe! Un, non, deux. Ouais, puis, je sais pas, j'ai comme l'impression de gonfler maintenant. Si tu viens dans mon île, tu verras que les filles toutes parlent pareil, parfumées de vanille. T'aimeront pour la vie. Si tu es hey, dans sens mieux. Hein? Ooh, ooh, ain't got no home. I know play to roam. Ain't got no home. I know play to roam. I'm a lonely boy. I ain't got a home. I got a voice, I love to sing. I sing like a girl, and I sing like a frog. I'm a lonely boy. Bien, on va faire un truc un petit peu plus parlant pour le spectateur. Tu l'as dit, connasse. Quoi? Vous pourriez redire ça en braquant une arme sur sa tempe? Quoi? Bouge pas, connard. Quoi? Oui, vous répétez la même chose, mais en y mettant le ton, hein, qu'on y croit surtout bien, bien méchant. C'est moi qui ai le flingue, c'est moi la bête. Qu'est-ce que vous attendez? Donnez-le lui. Ah bon? Bon, ben, je suis fine, là. Ah ouais, ça se peut pas, là. Allez, allez, maintenant vous le braquez. Hein? Bah, braquez-le. Ça se peut pas, là. Tu les as bien dans le champ? Approchez le micro. Ça se peut pas, là. Vous êtes dingue, là, vous cherchez à faire quoi? Quelle somme exigez-vous? Hein? Oui, la rançon, combien? Mais on veut pas d'argent. Mais si, Johan, elle a dit 5 millions. Bon, virez-le-moi, celui-là. M'en fous, moi. Je voulais pépinière. Radasse. Votre prise d'otage doit-elle être considérée comme un acte politique? Pourquoi? Oui, quelle cause défendez-vous? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, madame? Qu'avez-vous l'intention de faire à présent? Un film? Un film? Vous avez demandé un avion, une voiture... Un avion? Bah oui, comment comptez-vous sortir d'ici? À bicyclette? C'est drôle, non? Pauvre fille. Mais attendez, qui vous parle de sortir? On veut juste faire un film! On veut faire un film, là! Ah. Ah. Mais pourquoi tu crois qu'ils m'ont pris en otage, connasse? Bah voilà. Bon, coupe. Gifle-moi. Quoi? Oui, gifle-moi. Bah vas-y, gifle-moi, je te dis. Non, mais ça va pas, non? Allez, vas-y, profites-en. Pense à tout ce que je t'ai fait subir, je sais pas, organise-toi. T'as qu'à penser aux humiliations au quotidien, je sais pas. Bon, je t'ai trompé. Voilà, je t'ai trompé 10 fois, 15 fois, avec ton père, ta mère, avec les 7 tards, avec Pinocchio. Dis, ça te donne envie, ça, non? Ça te donne envie, là? Vas-y, je te dis de m'en mettre une. Si tu vous demandes de la gifler, gifler là. Bah oui, vas-y, gifle-moi, merde, il faut que je suis là, merde, j'arrive. Bon, on peut y retourner? C'est con, je l'aurais bien giflé, moi aussi. Pourquoi vous les avez pas mis? Non, je contrôle la situation, monsieur le divisionnaire. Si vous les faites intervenir maintenant, on va droit au carnage. Je vous rappelle qu'il y a 3 otages à l'intérieur, dont 2 journalistes. Ouais. Ouais. Non, non, c'est vous qui m'écoutez. Merde! Vous me disiez. C'est l'histoire. C'est l'histoire de 3 mecs en fait qui prennent un. Non, plutôt, c'est une petite fille qui est en train de lire. Quoi? Vous voulez juste faire un film? Comment ça, juste?
Mais les gens sont contre-foutent de trois types qui veulent faire un film. Quoi? Bon, coupe, coupe, c'est pas bon du tout, là. Non, tu coupes pas. Si, tu coupes. T'es un flic? Je crois pas. Dommage. Oh, merde. Merde, pourquoi on est poisseux comme ça? Tu poses ton arme. Tout doucement. Bah, vas-y, tiens. Film, film. Bah, si ça peut te faire plaisir. Ça te fait quoi de sentir la mort, là? Juste au bout de ton doigt. T'es courageuse? Tiens. Une mort en direct, top, non? Michael, s'il te plaît, arrête. La ferme! Tiens. Je m'en tape. J'ai plus rien à perdre. Mortel, non? Mais tire, putain! Tire! Attends, tu connais la suite? Ça tire dans tous les sens. Chut. Regardez, ils sont au moins une cinquantaine. Une cinquantaine et ils savent pas quoi foutre, là. Oh, oui, regarde-moi ça. Regarde, ça va, maman? J'ai tout, alors, impeccable. Alors, continue, alors. Vas-y. Oui, oui, allez. Regarde-moi, bon, regarde. C'est très bon. Vas-y, prends tout. Ça va aller, Diane. Ça va. Ça va aller. Donne-moi le flingue. Ça va. En gros plan. Mais c'est quoi cet embrouille, hein? Qu'est-ce que vous foutez là, vous? On a fait sortir la gamine, alors foutez-nous la paix. Bon, alors, écoute-moi bien. Ne tutoie pas! Très bien, alors écoutez-moi bien. Vous voulez la télé, voilà, d'accord? Alors maintenant, on arrête tout. Venez avec moi, monsieur Pierre, on va rentrer se coucher. Allez, toi, tu bouges pas! Ça fait 30 ans qu'on dort, alors stop! Faut arrêter de nous prendre pour des blaireaux. On bougera pas tant que j'aurais pas pu vraiment leur parler! Merde, plus de batterie. Tes copains, tu leur as demandé leur avis à eux? Ils sont d'accord, hein, vous êtes d'accord? Eh ben, dites-lui! Ouais. Ouais. Mais merde, Pierre, à quoi tu joues? Ta gueule! On joue pas, putain, on joue plus. Maintenant, vous voulez que vous vous barrez, c'est clair? C'est clair? Comme vous voudrez. Bien. Je vous préviens, je peux plus rien faire pour vous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? On n'a jamais rien fait pour nous. Allez, barrez-vous, je veux plus vous voir. Attendez. J'ai un tas de... des PV. Je me suis dit... Je sais pas. Vous auriez pu faire un petit quelque chose, non? Non, sérieusement. Si vous pouviez me les faire sauter, ça serait sympa. Parce que j'ai une saisie sur salaire. Bah quoi, je les ai prises au cas où. Merci. Vous êtes bien bon. C'est ça. Je suis comme ça. Michael, faut que je te parle. Pas maintenant. Allez, c'est fini. Non, je voulais tirer. Pourtant, je voulais pas le tuer. L'important, c'est que tu l'aies pas fait. Oui, mais je voulais le faire. Dis, tu veux pas m'emmener à la pêche? Enfance malheureuse, c'est ça? Hein? Père alcoolique battant sa femme, toute la journée dehors à côtoyer des désespérés. Vous cherchez l'amour, vous ne trouvez que le sexe. Des filles pas trop belles en plus. Ouais, des boudins. Ta gueule. Mais vous êtes fière. Vous êtes un homme. Et vous persistez à croire que l'homme a droit au meilleur, à la première classe dans l'Airbus de l'existence. Mieux, vous voulez prendre la place du pilote. Vous voulez conduire, vous voulez diriger, vous voulez prendre en otage le destin, détourner la fatalité. Morte. En un mot, vous voulez exister. Vous voulez être. Être quoi? Être, oui. Tout est là. Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Petit Louis. Ta gueule! Pourquoi tu me dis tout le temps ta gueule? Je te dis ta gueule. Ta gueule! Fume l'autre branque. Quoi? Pardon? Alors pour vous, on est des branques, c'est ça? Ah non, pas du tout. Si, ok. Maintenant, vous vous cassez. Non, attendez. Allez, il y en a marre.
Ce mec, il vaut 10 fois plus que vous. Eh ben, dis-lui ce que tu vaux. Dis-leur, je te dis. C'est ça, vas-y. Bah, vas-y, petit Louis, dis-leur, montre-leur. Allez, il y en a marre, barrez-vous. Hein, les branques, ils veulent plus vous voir, ok? Et tu fais chier, on y va. C'est ça, ouais. Barrez-vous. D'abord, vous avez même pas emmené PPDA. Et puis, je vaux pas rien, moi. Je sais pas si vous foutez du chou-fleur dans votre cantine, mais là, je peux plus, moi. J'y suis peut-être allée un peu fort. Ils sortent d'où, d'après vous? Qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir ce que je pense? De toute façon, vous montrerez ce que vous voudrez bien montrer. Vous aussi, vous pensez que la télé n'est là que pour en les dire? C'est pas la télé. Non, c'est votre regard qui en les dit. Je t'aime. Idem. T'as une belle ceinture. Un ISP. T'es drôle. C'est un métier. Ta voix est chaude. Gauloise blonde. De baguette et d'argent. Qu'est-ce que j'ai fait, mon amour? Rien encore, mon amour. T'as une toute petite quéquette? C'est pas vrai. Maintenant? J'en sais rien, c'est toi la terre. Ce qui vient, ça m'intéresse plus. C'est ça, casse-toi. J'ai pas besoin de toi. Mais pourquoi, Skip? Mais attends, tu devrais venir avec moi, toi. Il a complètement disjoncté, ce con. Il a pas compris que cette fin était pas drôle. Ça devait pas se passer comme ça, Michael. T'as tout gâché. Ah ouais? Et comment ça devait se passer? Comment? Regarde-toi. On n'est pas dans un film, là. Tu vois pas que ça va trop loin? Tu voudrais que je fasse quoi? Allez, messieurs les policiers, on se rend. On oublie tout. C'était pour rien. Puis tiens, au passage, on a qu'à baisser notre froc, histoire de pas perdre les mauvaises habitudes. Tu restes là! Mais arrêtez, merde! Pourquoi ne mêle pas de ça? Mais arrêtez! T'entends? Faut pas bouger, monsieur Perron. Tu me lâches là, putain! Je te lâche, si tu me lâches! Arrête! Tout va bien, Eleonore. Respire bien à fond. Bien. Contrôle. Voilà, tu le sens, là, ton karma. Bien, tout va bien. Mon cul, ça marche pas. Je me suis fait enfler. Putain, vous êtes con, hein, non? Putain, je vais avoir un bleu. Vous êtes con, les mecs, vous m'avez fait peur, là, non? Putain, vous êtes con! Tu cries comme une nana, tu vois. Pas le petit cri d'homme, non. Le truc, tu sais que t'entends... Le cri du cochon, ouais, ouais. Quand ils font leur fête... Tu connais le cri du cochon, toi? Ouais, depuis que je suis avec Sophie, ouais. Tu sais que je laisse rien taper la journaliste. Oh. Ah ouais. Oh, moi aussi. Ouais, c'est la flic qui me branchait bien. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, ouais, moi aussi. Une petite pipe par une flic dans une voiture de flic. Flatte, non? Mortel. Tu la chopes dans un coin. Tu l'attrapes par les cheveux. Welcome. Ça devient méchant, hein. Welcome! Oh! Pardon. Fais un temps, fais voir. Quoi? Vas-y, mets-lui un autre. Je peux?
Mets-lui un pain, je te dis. Mets-lui un autre, mais en contre-plongée. Quoi? C'est trop fort. T'es con, je te dis en contre-plongée. Ah, comme Cousteau. Ouais, c'est ça, vas-y, comme Cousteau. C'est top, non? Ouais. Eh, si tu lui en étais un, je me permets, hein. Plus sur la droite, là, tu lui mets trop sur la gauche. C'est bien, là? C'est top. Arrêtez. Ça manque de zic. T'as raison, il a raison, ça manque de zic. Vous n'auriez pas un peu de musique, monsieur, s'il vous plaît? 70 leçons, je me suis fait enfler. Ça fait 4 ans que vous êtes là sans aucun résultat. Alors laissez faire les gens compétents. Et c'est pas des criminels, ces types sont des paumés. Chouette, je suis un chouette de Saint-Bernard, ça c'est rare. Demande l'autorisation de tirer. Au fait, vos petits copains, ils ont peut-être de la chance. Si le préfet dort. Otage et un des tueurs. Et deux autres? Négatif. Paul! Quoi? Quoi? Ils vont les descendre. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est lui qui va les flinguer. Descends-là, bordel! Problème de conscience? Mais t'es sûr que t'es une enfant? T'es pas une naine déguisée en gamine? Alors quoi? L'autorisation, pas de nouvelles? Vous connaissez la différence entre un paraplégique et un spaghetti? Ouais, je le connais. De toute façon, elle est pas drôle. Je suis désolé. C'est même pas votre prénom. Ouais, c'est petit Louis. On devrait peut-être le laisser partir, là. Non? Ouais, on devrait. À toi! Qui a tiré? Merde, qui a tiré? C'est quoi ce bordel? Police, tu dégages. Mais pour rien, non? Hein? Putain! Pas ça, Miguel.
fais pas ça. Merci. Dis rien. Merci, dis rien. Faut pas que tu meurs, hein. S'il te plaît, moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ça, c'est du bidon, allez, relève-toi, s'il te plaît. C'est plus le café qui me fait mal aux pieds. Tu vas t'en sortir, je te jure. Bah, allez chercher du secours. Va chercher quelqu'un, putain! Vite le décor. Hein? Le décor. Qu'est-ce qui s'est passé? Répondez. Je vais parler à Théon. Il... Ils ont donné l'autorisation. Attends, on sait pas si Perrault est encore vivant. Non, Diane, ça suffit. Mais non, ça suffit pas. Bon, moi, Diane, j'y vais. Reste là. Reste là. Ok, les gars, vous faites ça propre. Style chirurgical et pas de tir à vue. Non. C'est oui ou c'est non? C'est non, connard. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour les crever? Ouais, cassez tout, là! Qu'est-ce que vous êtes merdier? Je crois qu'il déménage, là. Il est le coin? Oh, réveillez-vous, les cums! Révolution, c'est Guevara! Merde, y'a rien à tirer là. Si c'est pas un déménagement, ça y ressemble. Oh, une chaise. Alors là, il me cherche là. Ouh, putain, j'ai trop mal au bide. Tirez, c'est un ordre. Trop tard, je vois plus rien. Tu veux que c'est à droite? C'est à gauche ou à droite? À la gauche. Ok, d'accord, laisse tomber. Ça va? Bon, on peut me lâcher. Ah. Tout le monde est prêt? Action! Bah, action! Pardon? Bouge pas, connard! J'ai pas bougé, moi. Non, bouge pas, connard, c'est le texte, ok? Action! Bouge pas, connard. Ça va pas. Ça va pas. Ouais, je sais bien, il mettait pas le ton. Mais non. Accessoire. Le flingue. Ah ouais, ok. Autant pour moi. Prenez-le. Non! Prenez-le. Non! Vous jouez à quoi, putain? Vous parlez qui est petit Louis? Qui va jouer le producteur, et vous y mettez le ton. Ok? Ok? Action! L'histoire d'un mec qui a tout. Non, c'est moi qui joue le producteur. C'est l'histoire d'un mec qui veut faire... Enfin, ce qu'on pense être tout. Le con, 14 ans, qui lui ici, il est même pas capable de perdre son accent. Enfin, le type finit par se faire braquer par trois branques. Vous savez quoi, hein? J'aimerais prendre le métro. C'est con, mais je pense à ça. Ça fait 10 ans que j'ai pas pris. Être avec de vrais gens. Des gens humains. Bravo. On va tous pleurer maintenant. Hein? Hein, Skip? Merde, non. Non, c'est pas vrai. Attends, il faut pas que tu meurs. C'est pas fini, hein. Je vais te le jouer, moi, tu vois. Hein? Alors, meurs pas. Mmh.
Rue extérieure aube. Le sage montre la lune du doigt, mais toi, l'abruti, tu regardes le doigt. Et puis merde. Quel con. Je fais croire que. Il suffisait de vouloir pour pouvoir. T'as vu? T'as vu, je le connaissais par cœur. On va le finir, ton film. Le fais pas, s'il te plaît. Après, je serai tout seul. Non ! Non. Noir. Désolée. Quel gâchis. Sors de là, c'est un coup de balai, un grand coup d'arrosoir.